On est mal et même maudit. Il faut du Harry, RS Quattro ou Ferrari. Je fais appel de phare, c'est sur la voie de gauche que je vais rester calé. Guette comme on manie, ça grille les feux rouges dans tout Paris. Je prends virage à gauche, je prends virage à droite, mais je ramène le produit, il gauche complètement. Y'a le mode drift? Ouais, t'as pas un droit. Qu'est-ce que tu fais? Aïe aïe aïe. Ça va? Ouais. Rien de cassé? Très belle première impression, hein. Ok, non mais normalement je conduis bien. On va changer la voiture, hein. Ouais. Normalement je conduis bien, mais là il y a eu un espèce de... Attends, mais t'es sûr qu'ils ont pas besoin de renfort? Non, ils ont pas besoin de renfort. Je crois qu'elle était morte, ta mère. Ah si, elle est morte, mais... Ah d'ailleurs, je viens d'avoir une réflexion comme toi, ça. Ça se voit, toi, tu tapes la tête contre de la coke ou je sais pas quoi pour... Vous avez vu une action découle sur pleine scène? Ah, faire là, vite fait. Ça a pas trop de rapport, mais je viens de penser à un truc. Vous avez vu le mot ta mère, enfin les deux mots de ta mère, t'as vu? Si je te dis capitaine, elle va bien ta mère, tu vois, tu le prends bien. C'est genre, c'est quelque chose d'affectif. Ouais. Par contre, si je te dis la même phrase et que je te dis, elle va bien ta mère, là, comme ça, là, c'est bizarre. C'est l'intonation. Ouais, l'intonation, ça fait tout. Donc si, par exemple, je te regarde comme ça, regarde. Comment elle va ta mère, là? Elle va bien ta mère? Ta mère, là. Il n'y a rien de méchant dans la phrase. Mais j'espère qu'elle va bien ta mère, comme ça, ta mère. Va vite à Centrale pour celui qui est en train de libérer les familles, 22 ça se passe. Eux ils ont des canapés et tout, ouais, ils sont bien. Bah nous aussi. Ah ouais? Ouais. Oh man, on t'a dit de bouger de là. Mais attends, le feu il est rouge. On vous a dit 30 fois, tiens, le feu est rouge. Je m'en bats les couilles, on vous a dit 30 fois. Je ne vais pas griller le feu. Eh attends, mais attends, quoi? Mais comment ça, arrache-toi de là? Arrache-toi de là, moi, je vais finir par prendre. Attends, mais tu crois que c'est une zone de l'endroit? Eh, je suis à Los Santos, je suis flic de Los Santos, si je veux passer par là, je passe par là. Donc tu veux quoi? Tu veux finir à poil là maintenant tout de suite? Vas-y, essaye, appelle des renforts toi. Appelle des renforts toi. Ouais, eh, tu crois quoi? Oh, tu crois c'est l'Andorre la veille, frère, ton quartier ou quoi, mon frère? Si je veux venir ici, je viens ici. Ça fait 30 fois vous venez. Eh, c'est pas 30 fois, moi, c'est la première fois que je passe, frère. C'est la première fois. C'est la première fois. Moi, c'est la première fois que je passe. Et si je veux passer, je passe. Oh, tu crois, frère? Tu crois, c'est pas de la. Eh, tu me laisses pas, moi. Attends. Quoi? Non, attends, je lui mets les menottes. Bouge pas. Bouge pas. Viens là. Tu me dis, ferme ta gueule, moi. Moi, viens, tu vas voir. Et alors, y'a pas de. Eh, je vais vous expliquer, les gars, déjà d'une. Mais fais quoi là? Viens là, tu vas rien faire. Tu vas faire quoi toi? Dis-moi juste tu vas faire quoi? Je te pose la question, dis-moi tu vas faire quoi? Tu l'arrêtes pour quoi là, man? Je l'arrête pour outrage à agent, qu'est-ce qu'il y a? Je l'arrête pour outrage à agent, qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi qu'est-ce qu'il y a? On a besoin de renforts. Tu te la fermes là pour le coup. Les gars, eh, je vais vous dire un truc. Ça va être simple. Ça va être ultra. Je me régale à foutre la merde. On passe dans votre quartier si on a envie d'y passer, on fait nos patrouilles. Ici c'est pas le No Man's Land. Lâche-moi, tu vas où toi? Lâche-moi. Ferme-la. Lâche-moi. On passe ici. Oh man, ça fait 20 fois. Eh vas-y, lâche-moi. Eh, tu l'emmènes où là? Je l'amène au poste, tu vas faire quoi toi? Si tu veux tenter un truc. Bouge. Tu dis bouge à qui toi? Qui a dit bouge? Mais tu crois que je suis ton pote ou ça se passe comment? Attends, t'es pas du tout chez toi. Eh, écoute-moi bien, petite tapette que t'es. Je vais t'expliquer. Oh, ferme ta bouche. Ah, je vais t'expliquer un truc. Je veux aller dans ton quartier patrouiller, je patrouille dans ton quartier. Redis-moi encore chute et bouge, je t'expose ta mère devant tout le monde. On est clair ou pas? Capitaine ou pas capitaine? Ferme-la maintenant. C'est clair ou pas? J'ai envie de passer 40 fois dans ton quartier maintenant. Je passerai 40 fois dans ton quartier. T'es pas content? Tu prennes la tête contre le mur. Gros, c'est en dehors la veille, frère, votre truc là. Vous croyez? Vous êtes armé dans un pays là? Vous croyez c'est un pays ça? Si on veut passer, on passe, on est la police. Vous êtes pas content, vous tapez la tête contre un mur. Maintenant, votre pote, s'il vient avec nous, vous taisez, on vous le raccompagnera à pied. C'est clair? Merci. Voilà, capitaine. Voilà. Ça fait la drogue. Par contre, ça tire, hein. On attend le capi des capots. Vous savez ce qu'il m'a dit sur le capitaine? Je te écoute-moi bien ce qu'il t'a dit le capitaine. Il a dit que tu fermes ta gueule et tu attends que je donne les ordres. Okay. Qu'est-ce qu'il a dit?
Ouais. Donc, on attend les ordres de qui? J'attends la réponse. Du capitaine. Et le capitaine, il est où? Il est pas là. Oh, donc c'est à moi de prendre le relais. On y va. Mais non, ferme-la, Mino. Reviens, arrête tes conneries. Vas-y. Ok. Fais demi-tour. Aligne, les gars, 4-4-2. Mais vous faites quoi les manes en fait? Allez dans votre quartier, si vous voulez, on vient dans la paix, on attend juste notre capitaine pour pouvoir parler tranquillement avec vous. Et rien de grave. Non mais parce que là, vous me faites un blocus comme les lycéens là, les manes. On va juste discuter, vous inquiétez pas. Pourquoi vous avez tous votre taser dans la main? Ah, bah, c'est une question de sécurité, on sait jamais si vous êtes pas. J'ai pas mon taser dans la main, personne. Avec les petits sauts, vous calmez ou quoi là? Toi, tu leur fais peur, attention. Engage tout le taser, mon pied! Non, lui il m'énerve depuis tout à l'heure, il m'énerve! Il me rend fou depuis tout à l'heure, il tourne, il klaxonne, frère! Tu viens avec moi, je connais. Mais depuis tout à l'heure, il fait exprès! Il veut me faire chauffer la tête! Mais c'est normal qu'ils veulent te faire chauffer la tête! Ils essayent de comprendre si tu as les épaules solides ou pas solides, gros! J'ai pas les épaules solides, je suis algérien! Mais comment ils. Non! Tu es juste un arabe de trop, d'accord? Non, mais il tourne depuis tout à l'heure, il veut me faire serrer! Arrête tes conneries un peu! C'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il cherche! Mais non, mais tu comprends pas comment avoir des problèmes, tu vas te faire virer, pas virer, gros! T'inquiète pas. Allez, c'est bon, je me calme. Prends sur toi, t'as vu, il y a des Algériens, ils sont énervés. D'accord, tiens, un Algérien énervé. Ouais. Mais regarde, Mouloud Achour, il est tranquille! T'as la détente, fais quoi? Vous comprenez, vraiment. Votre quartier, c'est pas un no man's land. Non! Oh! C'est mon personnage d'être con. Si je veux être con, je suis con, hein. Putain. Non. Ça recommence pas. Oh non, pas encore, hein. Pas encore. Si je veux m'exposer à prendre des risques parce que mon personnage il est con. Non, frère. Non, ça recommence pas, ça. Ah, ça y est, frère. C'est reparti, là. On arrête, puis ça recommence. Non, frère. Eh, mon perso, il est con. Si j'ai envie de faire le con, je fais le con, frère. S'ils veulent prendre les devants parce que mon personnage, il est con et qu'il les respecte pas, laissez-les régler ça dans le RP, frère. C'est dans le RP, frère, c'est bon. S'ils veulent m'attraper, menacer, me torturer, qu'ils le fassent, frère. Mais bien sûr, c'était un kick, wesh. Voilà, c'était un kick, frère. Je me suis fait kick, le courant, je me suis fait kick. Ouais, je voulais que tu me regardes bien dans les yeux. Ok. Ouais. Je te regarde bien les yeux. Je voulais que tu me dises pourquoi t'es venu jusqu'ici. Moi? Pourquoi vous êtes venu jusqu'ici? C'est hors du capitaine. Moi je suis que le cadet. Hein. Ouais, mais toi pourquoi t'es venu jusqu'ici? Raconte-moi. Ben parce que le capitaine il m'a dit. Ah, bien joué, bien joué. Voilà, c'est tout ce que je voulais faire. Je suis fier de moi. Bah, franchement, bien joué, tu m'as eu. Certain. Bisous, Boussa. Calmez avec nous aussi les mecs, hein. Parce qu'à chaque fois qu'on s'arrête tous les 200 mètres, bah ça si commence à casser les couilles. Bah écoute, si t'arrêtes de faire le coup, pour le coup, il y aura ça. Mais si t'arrêtes de faire le coup, nous, il n'y a pas de problème, on vous arrêtera pas. Temps, les gars, vous savez très bien quoi, vous n'arrêtez pas pour rien. C'est bon, vous arrêtez. Tous les jours, on finit censé pour braquage. Écoute, hier, tu m'as arrêté parce que j'étais dans une sultane grise. Et au final, qu'est-ce que tu as fait? Tu commences d'activité les mains, j'en suis sûr, mon frère. Quand vous êtes en boulot, vous êtes. Toi, je t'aime bien avec tes bras croisés, tu me fais de la peine, mais je t'aime bien. Bon, on parlait pas comme ça des Rendel. Par contre, Lehmann, le cadet, s'il veut frapper un tête, il repasse après son service. Regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi dans les yeux. Toi, t'es qui dans le quartier, toi? T'es quelqu'un, que c'est pas. Eh oui, puis j'en ai bien. T'es vilain comme tout, man, c'est chou. Allez, on se casse. Eh, mais le gradé, il dirige le capitaine, c'est trop mignon. Ouais, comme moi, je dirige ta mère pour le coup. Voilà, capitaine. C'est pour ça, c'est vous le capitaine et c'est pas moi. C'est pour ça. Capitaine. Quoi? Je peux juste vous poser une question, s'il vous plaît. Quoi? Dites-moi pourquoi vous êtes venu jusqu'ici. À ton avis, parce que si on vient pas, vous... Il me l'a fait aussi. Et nous on croit pas trop à la chicha sous ballon. Tu te parles, tu racontes que des pipeaux.